Bienvenue à Montréal Gospel TV, votre émission musicale qui vous présente des artistes de musique gospel de tous les styles, des suggestions d'albums et des films à voir par notre chroniqueur JY. On reçoit un peu plus tard une artiste invitée qui a une âme colorée et une très belle voix. On a l'honneur d'avoir avec nous Laura Gagné. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Cassandra Apollon et le thème de l'émission est la solitude. Qu'est-ce que la solitude? La solitude, c'est le fait d'être seul et même solitaire. Sachez que même entouré, on peut se sentir seul. Plusieurs situations amènent à la solitude, telles que des échecs, des peines de cœur, des phases dans la vie. La solitude peut être douloureuse et même parfois heureuse, mais sûrement nécessaire. Et justement, pour débuter, on commence avec une symphonie mélodieuse de l'album Héritage, volume 3. Collaboration de Sébastien Demeré avec Jimmy Lahaye. On garde Dieu Tout-Puissant. See you there.
Tout de suite votre curiosité avec le prochain vidéoclip, celui de Laura Gagné, Ouvre tes yeux. C'est l'artiste invité qui viendra tantôt nous rejoindre, histoire de jaser et de faire plus en plus connaissance. Tu pries le ciel pour qu'il t'apporte de plus beaux jours. Tu mets ton espoir dans les gens qui t'entourent. Tu vis à la recherche d'un confort, tout faire pour améliorer ton sort. En quête de paix, tu t'y perds. Tu mets Dieu dans tes prières, le lendemain tu l'oublies aussitôt. Tu vis ta vie de la même manière, te demandant s'il répondra bientôt. Mais sais-tu qui il est vraiment, ce qu'il est pour toi réellement? Quelle place occupe-t-il dans ta vie? Est-ce que c'est lui qui te conduit? Mais sais-tu qui il est vraiment, ce qu'il est pour toi réellement? Allez, regarde autour de toi, ouvre les yeux. Tout ce qu'il y a autour de toi vient d'un seul auteur qui t'a créé et qui veut seulement ton bonheur. Vois-tu pas qu'il agit pour toi, qu'il veut te montrer qu'il est bien là, mais c'est à toi de le reconnaître. Mets-le en premier dans tes choix, laisse-le diriger tes combats, être la source de ton bonheur. Admets que tu as un créateur, mais sais-tu qui il est vraiment, ce qu'il est pour toi réellement? Quelle place occupe-t-il dans ta vie? Est-ce que c'est lui qui te conduit? Mais sais-tu qui il est vraiment, ce qu'il est pour toi réellement? Allez, regarde autour de toi, ouvre les yeux. Thank you.
qu'attends-tu de lui? Il a déjà tout fait pour toi. Maintenant, c'est ton choix. Mais ne passe pas à côté de ta vie. Ne passe pas à côté de ta vie. Mais dis-moi qui il est vraiment, ce qu'il est pour toi réellement. Quelle place occupe-t-il dans ta vie? Est-ce que c'est lui qui te conduit? Mais dis-moi qui il est vraiment, ce qu'il est pour toi réellement. Allez, regarde autour de toi, ouvre les yeux. Notre prochaine artiste est Poumi, une jeune sensation découverte grâce aux médias sociaux, en duo avec G, le pianiste. Leur chanson donne espoir aux âmes affligées et solitaires. Sachez également que leur titre « Il est là » a atteint 1 million de vues sur YouTube, un vrai chef-d'œuvre. Si vous voulez avoir plus d'informations sur cet artiste, je vous invite à aller visiter la page web de cnvtv.ca et également profitez-en pour regarder l'intégralité de leurs vidéos. Après la pause, on reçoit Laura Gagné et on découvre encore plus de musique gospel. Dans le sanctuaire, car Dieu est là, il y a une douce harmonie. La solitude nous amène à nous poser toutes sortes de questions. Justement, Adriane Lafleur se pose les mêmes questions. Voyons si dans son prochain vidéoclip, elle y répond. Voici Comblée. Je crains que ma vie ne soit comme une feuille emportée. Qu'un jour mon nom se soit envolé et perdu dans le temps. Oh, suis-je importante? Est-ce qu'on se soucie de moi? Oh, quand je suis seule.
froid. Si j'ai mal, qui le saura? Personne ne voit. De retour à Montréal, Gospel TV. Comme annoncé en tout début, Laura Gagné est parmi nous. Petite introduction de Laura Gagné. Elle est une artiste qui chante depuis l'enfance. Elle est là avec nous pour nous partager son talent. Donc, je vais vous la présenter immédiatement. Bonjour, Laura. Bonjour. Comment ça va? Je vais très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation avec nous. Le plaisir est pour moi. Amen. Donc, Laura, je veux que tu puisses te présenter à tout le monde. Tu es une artiste émergente. On te connaît déjà, tu as fait beaucoup d'apparitions télévisuelle. Donc, qui est Laura Gagné maintenant? Maintenant, Laura Gagné, c'est une artiste, comme tu as dit, en émergence, qui se fait un parcours dans le milieu artistique au sens large au Québec. J'ai fait un album en 2011 qui s'intitule « Bonbon pour l'âme », mais c'était plus ou moins une démarche artistique qui était mise de l'avant. Au travers des années, dans les dernières années, j'ai travaillé beaucoup l'écriture de textes, de chansons. Puis là, j'ai une carrière, en fait, qui est entamée dans le milieu artistique québécois, même aussi en Europe. Donc, en ce moment, je travaille pour sortir un nouvel album qui va être dans l'année prochaine. Donc, ta carrière, elle est lancée, dans le fond. Oui. Et c'est quoi ton challenge dans cette industrie? C'est la persévérance, je dirais, parce que dans le milieu artistique, il y a des moments super forts où est-ce que ça va bien, tu gagnes des concours, où t'as une crédibilité devant les gens, puis il se passe des belles choses. Puis d'autres moments où est-ce que c'est super mort, gros silence, il se passe rien. Des fois, t'es dans l'écriture, ou des fois même, t'as même plus d'inspiration. Puis c'est dans ces moments-là qui fait que tu persévères, qui fait après qu'il y a eu d'autres avenues qui s'ouvrent devant toi, des portes. C'est difficile aussi d'aller chercher des contacts. Ça prend encore de la persévérance. Donc, c'est ça, je dirais, le plus gros jeu par rapport à ça, là, ma bête noire un peu, mais oh oui. C'est la persévérance. Et qu'est-ce qui a influencé ton parcours jusqu'à maintenant? Influencé, je dirais, par rapport à mes chansons, mettons, c'est vraiment mon vécu, c'est mes expériences de vie qui influencent tout mon univers artistique. Okay. Ce qui m'influence à persévérer vraiment, c'est parce qu'il y a toujours des portes qui s'ouvrent naturellement dans mon parcours, des gens qui me disent que ça leur fait du bien, qui me disent de continuer. C'est toujours ça qui m'inspire à toujours aller encore plus de l'avant. Justement, tu as un public quand même de tout âge, oui. Âgé, jeune, tout le monde te suit parce que ton apparition a été vraiment une soudain et explosive, justement. Oui. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes qui voudraient, comme toi, emprunter ton chemin, le chemin que tu as emprunté? De vraiment cibler qui tu es. OK. Puis qu'est-ce que tu veux, pourquoi est-ce que tu le fais? Ça prend une mission parce que ça prend une mission qui vient du cœur pour pouvoir faire ça. Comme je dis, la persévérance, c'est quelque chose de dur, mais si tu n'as pas une mission qui t'accroche, c'est sûr que tu vas décrocher, en fait. Fait que la mission permet que tu persévères puis que tu vas foncer dans les bons moments, même dans les moments les plus durs. Puis moi, ma mission, c'est de toucher, bouleverser et réveiller l'âme des gens. C'est vraiment ça qui me fait le plus de bien. Fait que c'est ça qui me tient toujours sur la route, à me ramener constamment, puis à faire les bons choix aussi. Bien, on le sent aussi dans tes textes, c'est profond. Il faut aussi avoir ton talent. C'est pas tout le monde, c'est pas donné à tout le monde. Et j'aimerais savoir, c'est quoi tes futurs projets? J'ai visité ta page Internet, ton site web. Tu as un nouveau single. Oui. Peux-tu nous en parler? Oui, ça s'intitule « Chic Tip ». OK. Il y a eu « De la lune à ton balcon » avec Yves Dutin au mois de mars. Un autre single radio qui est sorti en février.
c'est pas en février, excusez, c'est au mois de mai. OK. Puis Chic Tip, c'est un peu pop jazz, je dirais. Ça apporte un peu une couleur humoristique à mon univers artistique qui était okay. plutôt tenu de façon spirituelle, un peu, qui était vu de cette façon-là. Parce que je suis une personne aussi qui est colorée, qui a beaucoup de, qui vit d'autres émotions. Donc Chic Tip, pour moi, ça annonce vraiment le nouvel album qui va sortir du fait que ça va être à mon image, vraiment, à ma personnalité. Puis Chic Tip qui est d'une expérience vécue aussi. Donc, ça a été une chanson, une histoire mise en chanson. Donc, toutes mes autres chansons qui vont être aussi enregistrées en studio prochainement font partie de mon vécu, des histoires. Fait qu'en ce moment, on est vraiment dans l'enregistrement. Dans l'enregistrement studio, puis l'album verra le jour après les fêtes, là, en 2017. Bon, ben c'est vraiment génial. J'ai vraiment hâte à la sortie de l'album. Et j'ai pu lire et même regarder ton témoignage. C'est vraiment un conte de fées. Oui. J'aurais voulu savoir comment ça s'est passé, ta collaboration avec Yves Duteuil. C'était vraiment... J'avais écrit la chanson pour lui, en fait, 3 ans auparavant. OK. Ça fait maintenant 4 ans. Puis j'avais eu sur mon cœur vraiment de l'enregistrer avec Yves Duteuil. Donc, c'était dans ma tête, c'était pas un rêve de petite fille, là. C'était vraiment quelque chose qui était comme une conviction dans mon cœur, si je peux dire. Puis, je pensais que ça allait se réaliser peut-être après 10 ans de carrière. Puis finalement, ça a donné qu'Yves Duteil reprenait l'avion du Québec pour aller en France en même temps que moi, j'y allais pour mon stage avec Francis Cabrel. OK. Donc, déjà, c'était extraordinaire pour moi d'aller là. Puis en plus que là, Yves Duteil était à l'aéroport en même temps que moi. Donc, j'ai pu le rencontrer, on a pu se parler un petit peu. Ça se disait bien que ce que j'allais faire aussi. On s'est revus quand il est revenu au Québec. J'étais à son spectacle. Après okay. ça, on a pu aller prendre un café. Donc, ça a été vraiment de façon naturelle. Puis, il a entendu ma chanson, il l'a aimé. Je lui ai demandé s'il voulait l'enregistrer avec moi. Il a dit oui tout de suite. Donc, un rêve devenu réalité. Exactement. Ça a été... c'était comme déjà préparé d'avance. Bon, ben c'est vraiment... c'est déjà tout le temps qu'on avait. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas ou bien qui veulent connaître un peu plus de Laura Gagné, je vous invite à aller visiter sa page web, lauragagné.com. Également, elle est sur tous les réseaux. Tapez sur Google, Laura Gagné, elle est présente. Donc, c'est une fille... colorée, de toute beauté, une voix extraordinaire à connaître, aussi profonde. Laura, oui. Je te remercie pour le temps. Merci beaucoup. Et, merci. Chose promise, chose due, c'est maintenant l'heure de regarder De la lune à ton balcon de Laura Gagné et en collaboration avec Yves Duteil. De l'horizon jusqu'à chez toi, du soleil à ta maison, des galaxies à ton jardin, de la lune à ton balcon, dans la chaleur et dans le froid, les continents et les pays, et dans le temps bien au-delà, je considérais ta vie. De ma main je t'ai formé, jusqu'aux pensées de ton âme, de ta force, ta fragilité, tout ce que ton cœur réclame. J'ai donné souffle à tes désirs, partagé chaque saison, compté chacun de tes sourires. Je t'ai aimé sans condition. Si tu demandes, je réponds. Si tu cherches, je suis là. Tu veux le calme, je suis la paix. Tu veux la joie, je suis la vie. Tu crains la mort, je suis l'espoir. Tu crains le vide, je suis l'amour. Je t'ai gardé un jour à la fois, avec toi mes larmes j'ai versé. J'ai vu ton cœur rempli de joie et tes rêves s'écrouler. J'ai applaudi chaque victoire, pleuré chacun de tes malheurs. Histoire et mon histoire et ta vie, c'est mon bonheur. Si tu demandes, je réponds. Si tu cherches, je suis là. Tu veux le calme, je suis la paix. Tu veux la joie, je suis la vie. Tu crains la mort, je suis l'espoir. Tu crains le vide. Je suis l'amour. Si je demande, tu réponds. Si je cherche, tu es là.
Je veux le calme, tu es la paix. Je veux la joie, tu es la vie. Je crains la mort, tu es l'espoir. Tu crains le vide, je suis l'amour. Après la pause, un doublé de vidéoclip avec Tolumide et Ali Matthews. Restez des nôtres. De retour de la pause, on enchaîne avec Tolumide, une artiste qui décrit sa musique comme un mélange d'inspiration et afro-pop. Son titre « My Love » qui est un grand succès. Et on poursuit ensuite, on enchaîne avec une ballade plus country d'Ali Matthews. You love me wonderfully, created me to look just like you. You bless me, shower me with more than I can ever, ever do. Cannot live this life doing the things that I do without you. You are amazing, truly divine. Where can I find something as pure as you? Eh, ah, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love. Nobody bless me the way you do. And hold me every day, yeah. You strong, oh, wisdom flow. Finer things, they follow you all the way, yeah. I cannot replace you or the things you do. The sky's not wide enough to fill your space, yeah. The rays of the moon shine so brightly. Stars, they twinkle so brightly. All because of you, eh, ah, my love, my love, my love, my love, my love, my love, my love. Nobody bless me the way you do, you do, you do. Nobody feel me the way you do, you do, you do. Nobody love me the way you do, you do, you do. My love, my love, my love, my love, my love.
Soon it will carry
Well, this song tells a story much too sad to be true. Tu n'es pas seul de Las Canson, l'haïtien, en collaboration avec Déborah. Si vous remarquez, Pierre Aubattery apparaît dans le vidéoclip. Las Canson, un petit mot à propos de cet artiste, est un rappeur chrétien qui a commencé sa carrière en évoluant dans le rap avant de se convertir. Il y a tellement de choses à dire à son propos. Une des choses à mentionner, c'est qu'il veut s'écarter des clichés habituels du rap symbole de violence et de haine. Découvrez-en plus à propos de cet artiste en visitant la page web de cnvtv.ca et profitez-en aussi pour regarder son vidéoclip. Après la pause, JY est avec nous et on continue la diffusion des autres vidéoclips gospel. Toi qui n'as pas connu l'amour, perdu dans la vie et ses méandres, ni la chaleur mais le froid des 25 décembre, emprisonné dans cette vie citerne. Tu te sens comme Joseph dans cette citerne, abandonné de tous, sans repère ni... De retour avec JY. JY, qu'est-ce que tu nous as préparé cette semaine? Cette fois-ci, c'est une chronique cinéma avec le film I Can Do Bad All By Myself. OK. Un film qui est sorti en 2009, écrit et réalisé par nul autre que Tyler Perry. Un réalisateur quand même très, très connu dans la communauté noire américaine pour des films tels que, bon, Why Did I Get Married? Je crois qu'il y a aussi un deuxième film de Why Did I Get Married? Obsession? En tout cas, une longue série de films, là, ouais. Puis qu'ils ont fait beaucoup de box office. C'est une adaptation aussi d'une pièce théâtrale qui a été écrite par lui-même. OK. Et ce film-là, au fond, ça met en vedette Taraji Henson, très reconnue pour son personnage Cookie dans la série télévisée Empire. OK. Et aussi mettant en vedette Adam Rodriguez, un personnage qu'on... un personnage latino dans ce film-là. Un sexe symbole. Oui, un sexe symbole que probablement que certains téléspectateurs vont probablement le reconnaître parce qu'il a joué dans la série CSI Miami. Oui. Donc, au fond, c'est l'histoire d'une femme alcoolique qui se retrouve du jour au lendemain à recevoir chez elle ses trois neveux et nièces parce que la mère a soudainement disparu. OK. C'est plutôt tragique. Oui, c'est assez tragique comme histoire. Les trois enfants s'étaient réfugiés chez leur grand-mère qui est jouée par... Tyler Perry avec son mot de Madias. Ouais, Madias, le fameux personnage qui est récurrent dans plusieurs de ses films et dont on voit à un moment donné ici même, Madias, qui finalement envoie les trois enfants chez la sœur de sa fille et puis qui est alcoolique. Et malgré le fait qu'elle soit alcoolique, parce que Madias est une grand-mère, elle ne peut pas garder trois enfants comme ça avec elle. Ça fait longtemps qu'elle a arrêté d'élever des enfants. C'est ça qu'elle essaie de leur faire comprendre. Donc, pendant tout le long du film, il y a comme une espèce de relation qui se développe entre leur tante alcoolique et les trois enfants. Et en cours de route, il y a le pasteur du personnage de Taraji Henson, okay, qui lui demande d'abriter un jeune itinérant qui est joué par Adam Rodriguez, okay, étant donné que dans sa maison, il y a un grand sous-sol tout meublé qui ne lui sert à rien. Puis bon, le pasteur lui dit, regarde, je vais te donner un petit argent chaque mois et abrite-le une couple de temps, le temps qu'il se remette sur pied. Okay. Et elle accepte, avec l'argent, de pouvoir s'acheter plus d'alcool. C'était le marché qu'elle s'était fait en elle-même.
Et non seulement avec le temps, pendant le film, on découvre la relation qu'elle développe avec ses neveux et nièces, mais aussi, elle va développer aussi une relation petit à petit avec le jeune itinérant. Oh, l'amour! Une espèce d'amour qui se développe. Il y a aussi un amour familial qui est en train de se bâtir. Donc, c'est quand même une famille qui se bâtit devant nos yeux pendant tout le long du film. Elle devient comme la maman, ma tante. La maman, la tante devient maman et le jeune itinérant qui vient donner un coup de main dans la maison. Donc, tout ce qu'il faut réparer, problème de plomberie, problème d'électricité, aider les jeunes avec leurs devoirs. Mais c'est le personnage d'Adam Rodriguez, le jeune itinérant, qui va jouer une espèce de rôle paternel. Donc, bon, ça finit par un happy ending. Les deux finissent par se marier. Cependant, une chose qu'il faut quand même mettre de l'avant, c'est le film repose totalement sur la brillante performance de Taraji Henson. Vraiment. Oui, une grande actrice. Une très bonne actrice. Elle joue vraiment le rôle d'une vraie alcoolique. OK. Je ne sais pas si elle l'a déjà été, mais c'est quand même très crédible comme performance. C'est sûr que si on enlèverait la performance de Taraji, bon, le film est moyen. Je donnerais, en réalité, sans la performance de Taraji, je donnerais un 4 sur 10. Avec sa performance. Avec sa performance, je peux ajouter un 2, 3 points, 6,5 sur 10. Hey, il est généreux aujourd'hui. Oh, ben, hey, généreux, c'est bon. 6,5 sur 10, pas très généreux, mais bref. C'est un film intéressant à regarder entre familles. Bon, ben pour une femme qui vivait seule, c'est le thème de l'émission, ouais, la solitude. La solitude, bon, solitude à la exactement, elle a trouvé réconfort avec une nouvelle famille. Merci, JY, pour le temps. On poursuit en musique avec Manifest et le titre Impossible. I'll cry lullabies all night, can't sleep. I hear the floors creak, I feel shadows in my room. My friends find another bruise, I'ma end up on the news. I just don't know what to do. God, I'm calling you, send an angel, send two. I wanna move, but I'm trapped in the outer room. I know you hear me, clearly I'm weary. Come and fill me with your power. Heal me. It seems impossible for me to let this go. Through this fire, if you wanna find me, I'll be here in my room. I'm thinking you're drinking, need to get out before you start swinging. Wish I could show you all the pain inside me. It seems impossible. I gotta break away. I gotta find a way. Gotta break away.
après la pause, c'est déjà le mot de la fin et on vous présente notre dernier vidéoclip de l'émission. C'est déjà tout pour l'émission. Merci d'avoir été des nôtres. Un petit retour sur le thème abordé tout au long de cette émission qui était la solitude. On a vu que la solitude est différente de l'isolement. Également, on vous a donné des solutions pour combattre ce sentiment. On termine avec le vidéoclip de Prosper and GPM Without You. À très bientôt et n'oubliez pas que le gospel est partout et dans tous les styles. No words can tell it all, my love is from the heart. Each tear I cry, why my eye, why are we so far? I wanna be next to you, next to you. So let's not let a day, always kneel and pray. Longing for more and more, so much things to say. I wanna be next to you. Tell you I'm about to put it on. At about 16 I thought that I could do it on my own. Never committed cause I really thought that I was grown. Every time I was in trouble I had to pick up the phone. Nevertheless you always answered all my calls. Even though you knew that I was always set up for a fall. You always bailed me out really and truly never struggled. But I was dedicated to go right back to my hustle. Look at me now bugging, I can't take it anymore. Even if I'm making 30 G's a month I'm really poor. I'm back now, just wanna relax now. Just wanna be next to you. This is my confess to you. No words can tell it all. My love is from the heart. Each year I cry, why my eye, why are we so far? I wanna be next to you, next to you. So let's not let a day always kneel and pray. Longing for more and more, so much things to say. I wanna be next to you. Cat, fully loaded with a celly plane phone tap. Let me tell you that was then and now I'm here and it's a wrap. I'ma give you everything and I'm gonna keep it real. Every day and night I'ma get on my knees and tell you how I feel. I'm so in love with you, now on it's you and I. On the real it's me and you, nobody gonna rob this prize. The enemy's a liar, trying to get into my mind. I'ma stand on your word cause no weapon shall prosper in my life. Can't do it by myself, I'ma need you by my side. It's real talk, that's why